C'est un milieu social rural, du fond de la Vendée, ce pays qui est au bord de la mer. D'une famille d'artisans et de cultivateurs, si on peut dire, enfin des vrais paysans. Ah non, pas du tout. Nous n'avions que la valeur de nos mains et le peu d'argent que nous pouvions avoir, nous l'économisions. Hein, nous n'avions pas, évidemment, on n'avait pas de compte en banque, ça n'existait pas. L'argent était mis dans une boîte à sucre, en fait, que l'on mettait, qu'on cachait dans l'armoire. Mais pas du tout, la musique, nous n'avions pas de poste de radio, bien entendu. Il n'y avait même pas de fanfare dans le pays, c'est un tout petit village de 600 habitants. Et la musique, c'était en fait nos paroles pour conduire les bœufs et les animaux, car nous travaillions qu'avec des bœufs. Plus tard, quand je montrais à Paris, ça a été une découverte, la musique. Mais je n'ai pas été bercé pour pouvoir aimer la musique, parce que, en fait, il faut aimer la chose. J'ai surtout appris à aimer mon travail. Mais nous étions heureux. Évidemment, ça peut avoir un impact quand on le découvre. Mais faut-il aussi que l'on sorte un peu de ce milieu ouvrier, enfin de travailleur, si l'on peut dire, pour découvrir la musique. Mais ce n'est pas facile. La musique n'était pas vraiment ce que nous voulions découvrir, en fait. La musique, pour nous, c'était secondaire pour un milieu peut-être plus aisé. Non. C'est-à-dire qu'on le découvre au cours des années de sa vie, la musique, bien entendu, de la belle musique. C'est toujours agréable à entendre quand on voit ces orchestres, ces opéras. Alors on peut se laisser prendre, mais ça n'a jamais été notre fin de recevoir, car le but, même actuellement, et je le répète à 90 ans bientôt, c'est le travail, se lever de bonne heure, faire un peu de sport, faire travailler le corps et l'esprit.